Confiance en toi. Ok, ça va, il est toujours dans le vert. Ok. Et maintenant, Machouille. Putain, pas Machouille. Non, rayon signal. Non, il a... Ah bah, il est mort. Fais une intro, vous avez raison. C'est vrai que quand je faisais les intros, il n'y avait pas de karma, donc vas-y, on en fait une bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la Team Rocket et peut-être à la dernière arène. Mais avant de commencer, petite information, allez voir la rediffusion parce que je vais peut-être pas tout mettre dans la vidéo, je sais pas. Mais on s'est amusé à faire l'Event d'Arceus en début de live. Et du coup, on a eu ce magnifique Pokémon qui est honnêtement assez incroyable, disons-le franchement. Enfin voilà, donc ne soyez pas surpris. Si à un moment vous le voyez popper. Bref, aujourd'hui en tout cas, la Team Rocket, on a Darutardé. Darutardé, normalement, il évolue dans un level. Oh putain, t'en as 5. Putain, t'es moche. Putain, t'es level 21, mais tu casses les... J'ai essayé d'augmenter les levels de mon côté, mais ça n'a pas marché, je pense. Ah non, du coup, je les éclate. Oh, vas-y, cadeau de merde, c'est ton moment. Attendez, on va bien commencer. Oh putain, qu'est-ce que t'es moche de dos. Oh, regardez, cadeau de merde. Cadeau de merde, il a un move. Il a glace. Cadeau de merde. Bah oui. C'est comme ça qu'on commence un épisode. Il est vénère mon Pokémon, qu'est-ce que tu vas faire? Ratonton. M'en bats les couilles. Glaciation. Deux fois d'affilée. Qu'est-ce qui se passe? Mais cadeau de merde. Il m'abule. Ok, pardon? Cadeau de merde, tu triches? Attendez 12 secondes. Est-ce qu'il vient vraiment d'enchaîner 4 glaciations d'un coup? Mais il a déguisement. Mais cadeau de merde. Allez, Darutardé qui évolue. Enfin. Alors voyons voir. Ok. Ouais, il est un peu flippant hein. J'essaie de jouer un peu les Pokémon qu'on n'a pas encore trop vus. Parmi la myriade de Pokémon qu'on possède. Ah mais regarde-moi ça. Vas-y, abîme. Voilà. J'arrive à claquer des attaques au H... J'arrive à faire... Je sais pas comment je vais. J'arrive à faire en sorte que les attaques au HKO fonctionnent. Je comprends pas. Ok, un seul Pokémon. Et ben voilà. Voilà, veux exaucer, chat. Voilà, tu as l'évolution de ce petit Laporeil incroyable. Abîme. Voilà, chat. Incroyable. Comment je peux claquer mes attaques au HKO, ça me bute de rire. Hein. Et du coup, il y a déjà le directeur. Vas-y, donne-moi la clé, papy. Ah, ça va pas, oui. C'est toi. Ah putain, c'était pas lui. Merde, je me suis fait avoir, j'ai pas soigné mes Pokémon. Et du coup, il en a 6. Et du coup, il a un gros truc. Vas-y, joue au loto, il me faut une attaque glace. Point glace. Arrête d'être confus. Oui, point glace. Ok, ok. T'es pas sûr, t'es pas sûr, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Tu viens pas de le laisser quand même à HP, t'es pas sérieux. T'es pas confus. Oui, fini, merci. Joue au loto. Porte bien son nom, ce con. Oh non, Dracourem. Oh, c'est à ça qu'il ressemble du coup. Tout sympa. Point glace. Je suis con, je suis type glace. Ah oui, il est type feu. Et je suis type glace. Bah, exploser la tronche. Vas-y, toc toc. Calinerie, toc toc. En plus, j'ai torche, let's go, tu peux rien faire. Putain, Calinerie, c'est pas super efficace. Il est glace-feu. Ah bah, vas-y, on va se faire du coup. Oh putain, la vache, la trouille. Non, c'est quoi ce bordel? Extincenseur, si tu crit, je te détruis, mec. Ok, c'est bon, toc toc résiste. Canicule. C'est fini! Let's go! Ok, Guériduc. Oh, Guériduc, je peux me le faire. Canicule. Tu dégages. Ouais, c'est quand même. C'est quand même Victini, Tocopillon. J'avoue, il déconne un peu zéro. Desmourocs. Oh, Calinerie. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, il baisse la tête? Comment ça, sa défense augmente? Calinerie. Non, coup de crâne. Ah! J'ai eu un peu peur, mais j'ai eu un peu peur, mais tout va bien. Exadoudou. Oh. Ah non, pas ça. Ah, attends, mais quoi que t'es pas type sol? Oh non, croc de mort, c'est trop chiant cette attaque. Ah non, c'est pas celle qui te met mid-life. Ok, ça va. Ok, si, c'est super efficace le type. Oh putain, il résiste. Allez, vas-y. Ah mais c'est vrai qu'on est sous le soleil, c'est pour ça que ça fait pas beaucoup de dégâts, je suis bête. Et enfin, garde... Mais arrêtez d'avoir des shiny.
Oh mon dieu! Encore une forme de garde-voir qu'on n'a pas vue. Bombartique, c'est... Ah, c'est la fameuse Bombartique garde-voir, mais je la reconnais pas à cause de la couleur verte. Et du coup, il doit être de type glace fée ou glace psy ou je sais pas quoi, feu sacré. Poudre dodo, mais tu... Quoi? Marteau bois. Critique. Moi, ça me bute, mais à force, il va mourir du recul, hein. Allez, feu sacré, s'il te plaît. Marteau bois. Oui! Let's go! Il se réveille, juste pour le finir. Parfait. Au cas où il avait une potion. Parfait. Allez, premier commandant vaincu. Ok. Alors, le sous-sol. Oh, putain, il y a deux secondes, j'étais content parce que je disais qu'il n'y avait pas d'énigme ou de machin, mais en fait, ils en ont quand même foutu, ça me bute. Mais encore toi! Mais Jean-Kev! Tu sers à rien, Jean-Kev! Ah, parce qu'en plus, tu dois m'affronter, Jean-Kev! Mais c'est quoi, en plus, ces Pokémon que t'as? Câlinerie. Il va me défoncer ma race. Putain, mais j'ai pas pris de sixième Pokémon. Putain, mais je sais pas. Qu'est-ce qui est super efficace sur ce truc? Attends, est-ce que t'es type acier? Ok, il est type acier. Oh, je l'ai défoncé. Hydro-queue. Je suis plus rapide que lui. Let's go. J'ai porté mes Pokéballs, mais ça va. Critique, hein. Au cas où. Un Géogleur. Allez, Roi Sphère. Glace Roche. Ça doit être one shot assuré. J'ai rien dit. Plongée. J'ai voulu la tanker, mais en vrai, je suis pas sûr de moi. Hein. Heureusement, je suis plus rapide. Hein. Fort heureusement. Allez, coup critique, toujours. Les coups critiques, c'est pas quand tu vas terminer le Pokémon, hein, tu sais, toc toc. Hein. C'est avant. Ok, Daru. Daru Pepto. Putain, en vrai, j'ai envoyé cadeau de merde, mais je. J'ai fait mania. Il a turbo. Je m'attendais pas à ne pas tanker, putain. Non, cadeau de merde. Bon, au moins, cadeau de merde aura eu le temps de briller pendant un combat avec ses glaciations et ça. Ça, c'est beau. Par contre, il l'a défoncé vraiment, Sharpedo, c'est vraiment fragile, hein. Vas-y, pouvoir lunaire. Ah putain, mais il spam ses plongées, c'est chiant. Mais forcément, il a turbo. Forcément, il est plus rapide. Allez, pouvoir lunaire. Ah oui, c'est vrai qu'on a absorbo, ça sert à rien. Dégage. Carchanon. Surf. Vas-y, surf, 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 surf. Oh, je vais à Rio, mais oui, mais tous les jours. Un brutal air. D'où il a ce genre de Pokémon? Ok, il est type combat, pouvoir lunaire. Ça, on tente bien, en vrai, on tente bien. Et il est bien type combat. Il me termine pas avec mon type... Ouh, ça passe. Ça passe, ça passe. Ok, ça passe. Heureusement, il avait pas une attaque combat, en fait. C'est vrai qu'il aurait pu faire une attaque combat. C'est vrai que je suis un peu con. Ça va bien passer. Ha. C'est quoi l'intérêt d'aller à gauche? Ça c'est juste un entrepôt, une plaque rock. Ah, il y a le vrai directeur là-bas. What the fuck? Ah oui, on l'avait déjà vu lui. Eh oui, je vais être, il est spectre. Il doit être acier spectre. Attends, je vais à Rio qui a une attaque de type combat. Mais non, parce que le spectre ça craint. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Bon, au pire, pour lunaire. Ah bah non, c'est... Bah non, ici il est de type acier, crétin. Vraiment, je prends toutes les pires décisions, hein. C'est incroyable. Ok, j'ai fait siphon, mais je voulais faire surf, en fait, je te promets. Hein. What? Pourquoi ça a fait autant de dégâts, siphon? Quoi? J'ai pas fait gaffe, elle a été modifiée aussi, cette attaque, pour faire autant de dégâts? Putain. Elle a défoncé. Ah oui, 90, 90, PTDR. Bonjour. Oui, je suis là pour vous sauver. Oui, la type roquette. Oui, la carte magnétique. Merci beaucoup. Ok, bon, bah du coup, deuxième commandant d'affilée. Troisième combat majeur de cet épisode. Allez, lance, amène-toi. Qu'est-ce que tu vas avoir? Que deux Pokémon? Ah non, t'es pas un super combat majeur? Ah mais non, il pue la merde comparé à Lambda. Remboursé! Zut! On me doit un combat majeur! Ça va pas le faire. Ok, j'avoue que le Morphadra, il est stylé. Rayon Gemme. Ouais. Rayon Gemme. Il est bien, mon monde cruel, hein, j'aime bien. Un vrai combat majeur. Vends-moi du rêve. Ah voilà, donc c'est ça, il ressemble à ça quand il est pas shiny. Ah oui, effectivement, je préfère cette version que la version verte, hein, ça c'est indéniable. Vas-y, tête de fer. Poudre dodo qui rate, let's go. Heureusement, il a pas fait sport. Let's go. En même temps, tu m'étonnes qu'il spam marteau bois, il a poudre dodo et sport. Ça va pas du tout. Waouh, l'évolution. On la voit enfin. Très sympa. Bon, il était plus mignon en belle bizarre, mais... Oh, il a la trouille. En tout cas, reste humain. Reste humain, les gars. On s'est moqué de lui. Mais il est incroyable. Vas-y, ta coupe. Ah non, c'est notre... Merde. Merde, il fallait que je fasse vol. Oh, t'es type acier, ça, tu résistes à Aéroblast.
Ok, tu résistes avec difficulté. Alors là, je sais qu'il doit être ou insecte, ou ouais, ou vol. Putain, il est au vol. Aéroblast qui fait autant de dégâts, il est forcément au vol. Je vais y arriver à trouver un bon Pokémon qui résiste, hein, vous en faites pas. Ok, je vais y arriver. Confiance en toi. Ok, ça va, il est toujours dans le vert. Ok, et maintenant, Machouille. Putain, pas Machouille. Non, rayon signal. Non, il a... Ah bah, il est mort. Surf. Je sais plus, j'ai plus d'idée. Voilà, c'est bon. T'as ce Pokémon, j'arabise mes fesses, là, je le défonçais tous les jours. Pourquoi j'ai galéré et pourquoi il a tué un de mes Pokémon? Allez, dernière admin, le Big Boss. Allez, j'ai que 5 Pokémon. Ça peut le faire, il en a combien? Il en a que 3, ça. Ok, lui, on a l'habitude de le voir. Oh, je vais placer... on n'a pas les PDR sur ce Pokémon? Ouh, ça défonce. Ouais, il a Turbo, mais là, normalement, il va soigner. Voilà, PDR. Heureusement, c'est pas super efficace. Allez, vas-y, on place les PDR. Incroyable. Vas-y, reste humain. Vas-y, finis sur un coup de boule. Hydrocanon, ça devrait aller. Sauf si, évidemment, il fait un crit. Putain, mais reste humain. Mais forcément, comme à mon habitude, faut que j'ouvre ma gueule en mode... Hey, en fait, reste humain, ça fait un moment qu'il est là. Il est trop bien, ce Pokémon. Et forcément, il crève. 4 morts. Putain de crit. Et j'envoie toujours mes Pokémon. Je le fais exprès, c'est pas possible. Pourquoi j'ai envoyé Toc Toc? Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé. Voilà. Pourquoi j'ai envoyé? Putain. Régular, moi. Ouais, il est stylé. Et... J'y arrive pas. Mais j'y arrive pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, j'étais haut. Ah oui, j'étais feu haut, c'est vrai, j'avais oublié. C'est quoi cette attaque spéciale de bâtard, sa race qu'il a? C'est là, ouais, surf. Ok, il a raté Fatal Foudre et je suis paralysé. On s'éclate! Il a re-raté Fatal Foot, let's go, surf! Neutre. Comment ça, neutre? Et les canons? 4 PV! Le rayon gemme qui passe! Yes! Allez, dis-moi que ton dernier, c'est un bébé de merde. Oh là là, monde cruel. Charpagos. Putain, mais non, il est encore plus vénère que le précédent. Est-ce que ça va passer? C'est un Pokémon de type roche-feu. Ou alors est-ce qu'il est haut? Ok, ça peut le faire. Vas-y, rayon gemme. Quoique. x4 à l'eau? Ouais, s'il est roche-feu. Je suis trop con, vous avez raison, surf. Ok, câlinerie. Putain, un monde cruel. Allez. Câlinerie. La surf, let's go. Oh monde cruel qui sauve. Il reste plus que toi, monde cruel. Du coup, on reprend à Cajou. Ce mec, arrête de nous faire chier. Route 44, enfin de la zone, ça faisait un moment. C'est quoi, j'aime bien cet endroit. Non, je le sens bien. Allez, vas-y, on fait amende à nous. Voilà, je mets mon shiny. Voilà, je fais amende honorable à la canne à pêche. J'ai voulu essayer la super canne. Comprenez-moi, j'ai voulu essayer. J'ai été tenté. Et je regrette. La super canne, c'est le diable. La canne à pêche, c'est là. J'ai pas les mots. La canne, il n'y a que ça de vrai. C'est le seul instrument pour la pêche. Loué soit la sainte canne. Fermez les yeux, c'est un doublon. La sainte canne, il n'y a que ça de vrai. C'est moi ou c'est mon Pokémon qui a eu le point d'exclamation? Bah Sif, je vais te laisser la canne à pêche plus souvent, je crois. Hein. Loué sont la sainte canne à pêche. Ok. Capturer facilement en plus. Et là, il y a quoi? Une route qui monte plus haut. Et une grotte, encore de la zone. Oh, let's go. Route de glace. C'est bel et bien une nouvelle zone. Et c'est... Oui, bon ben. On est fixé. Lol, après qu'il m'ait défoncé la gueule, le voilà qui débarque. Vu comment t'avais l'air d'être puissant, je suis pas mécontent, vas-y, rentre dedans.
Agim. Electric Ghost, ouais, c'est stylé. Mais ça vous dit pas là qu'on retrouve un petit shiny? Souvenez-vous de l'excitation qu'on avait eu quand on avait trouvé Sif. Moi je dis, avoir un petit shiny, ça serait cool. Franchement, On aurait pu avoir ça? Mais c'est quoi cette masterclass? Oh, le style de fou furieux! Ouais, c'est Mewtwo, mais avec je sais pas trop quoi. Hop, 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 hop là, et on sort. Et voici arrivé à Ebenel. Et avec des dresseurs que j'ai pas envie d'affronter, toujours. Y'a quoi là-haut? Oh oui, y'a la reine. Et y'a un plan d'eau. Allez, Pokémon de zone d'Ebenel. Pokémon a mordu à l'hameçon. Merde, j'aurais dû mettre Sif. Oh, c'est pas grave. Merde, j'ai eu la chauve-souris qui s'est fait des abdos, je suis dégoûté. La super canne de retour ou quoi? Non, 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 la super canne a été jetée aux oublis. Attends, mais y'a pas l'antre draconique dans cette génération là-haut? Ah oui, on va avoir un autre Pokémon de zone après. ME là, ouais. J'aurais pu avoir le garde-voir, toi, bien. Allez, vas-y, c'est parti. Dernière arène, les amis. Sachant qu'on a un défi du chat, et on est avec une équipe entièrement constituée de Pokémon lents. Voilà, il faut que je joue qu'avec mes Pokémon lents. Et franchement, c'est le cas. Hein. 50, 44, 42, 37, 27. Et le meilleur pour la fin, 16. Voilà, mes Pokémon vont jouer en dernier. Ça va être génial. Les levels vont être supérieurs. Ouais, normalement, on va avoir mal. C'est pour ça que c'est cool, le défi du chat, il est pas trop complexe. Il reste assez gérable. Mais on va crever, hein. On va crever fort. Essorage. Ok. Voilà, déjà, ça commence bien. Ah, purée, mais quel type tu es, toi? Est-ce que t'es type insecte? Point météore. Qui augmente l'attaque. Telluriforce. Ah, c'est super efficace, Telluriforce. Et tu m'as mis dans le rouge comme ça, au calme. Ah, ça va pas tuer. Vas-y. Je me disais bien que j'avais un Pokémon avec lévitation. Allez, vas-y, fais des bulles. Voilà. Ok, il avait que de faire. Super. Je sens que cette arène va pas être faisable, les gars. Je suis peut-être trop bas level. Putain, et j'envoie Semazone alors que j'ai dit quoi il y a 4 secondes? Ce Pokémon prend x4. Jaco, retiens, bordel. Tu peux le faire en cloque. Je vais pas y arriver, mes Pokémon sont déjà dans la merde. Ok, je sais que Trépas Shiny prend sur Telluriforce. Ah mais c'est vrai que t'es Shiny, Trépas Shiny. C'est la blague. J'avais complètement oublié. Bon, météore. Forcément, il fait que ça booster son attaque depuis tout à l'heure. Je suis dans une de ces merdes. Je voulais essayer de pas trop me soigner, mais c'est infaisable. Hein. Il va falloir bourrer les soins pour espérer que ça passe. Forcément, je joue qu'avec des Pokémon lents et le mec s'est placé en attaque. Putain, mon starter! Mais merde! Ouais, bah tu sais quoi, c'est ma zone. Vas-y, viens te battre un moment. La vérité, je voulais tester, mais ouais, je savais que c'était foutu pour ce Pokémon. Est-ce qu'on peut reclutch comme la dernière fois? Je veux pas perdre par mentir. S'il te plaît, le jeu. Oh, mais il arrête pas de... C'est foutu. Je suis trop lent. Mon équipe est lente. Parmentier! Je voulais pas le voir mourir! Est-ce que tu peux résister? Oh, putain! Non mais clairement, faut que j'arrête de stream les jeudis, moi. Allez, c'est parti pour rajouter des morts. Oh, est-ce qu'on remplit la boîte? Non, malheureusement, non. Hein. Ah, je suis dégoûté, mon parment... Putain, mais mon starter! J'ai perdu 2 Pokémon incroyables, les gars, je vous pardonnerai jamais. Route 45. Vas-y, les hautes herbes. Vas-y, les hautes herbes. Allez. Allez, finissons bien. Bah oui. Non, moi je suis super... Oui, j'adore Sovkipou. Water Steel. Ah ouais, en plus il a un double type incroyable. Ah ouais, non, il va être trop bien. Bon, en tout cas, c'est cool. Aujourd'hui, on aura bien vidé la boîte. Mais je pense que du coup, c'est sur ça qu'on va s'arrêter, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode. Encore une fois, hein, beaucoup de carnage. Je vais arrêter de stream les jeudis, hein, ça me réussit pas. Je vous fais plein de bisous tout le monde. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si vous aimez la vidéo, à la partager. Ça m'aide beaucoup. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prochaine fois, on devrait, je pense, réussir à faire cette arène qui finalement aura posé plus de problèmes que je n'aurais pensé. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Et après, la Ligue Pokémon. Oui, déjà. On aura fait vite. Hein. Quand tu compares mon let's play sur Pokémon hors le défi de la communauté où genre j'ai fait 40 épisodes pour finir le jeu avant de m'attaquer au post-league. Et là, juste au 7ème épisode, on a déjà fini. Ça se voit qu'il y a une différence de montage ou de manière de consommer le contenu.
Ça se voit que ça a évolué. Mais bref, vous rassurez-vous, il y a encore Kanto derrière. Bref, les amis, comme d'habitude, merci pour tout. Et je vous fais des bisous en attendant la prochaine. Allez, ciao, ciao. Bisous.